histoire se passe à l'autre bout du monde, au cœur du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire français, les Kanaks luttent depuis 40 ans pour leur indépendance. Le sous-sol de l'île regorge d'un minerai indispensable à la croissance mondiale, le nickel. Pour financer leur futur état, les Kanaks ouvrent des mines, construisent des usines. Ils jouent leur destin sur le marché des matières premières. C'est un pari audacieux et dangereux. Ce peuple d'à peine 100 000 personnes peut-il se faire une place dans l'économie mondiale? Peut-il résister à la voracité des multinationales? Les Kanaks ne risquent-ils pas d'y perdre leur âme? De passer d'une dépendance politique à une dépendance économique? Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, une page d'histoire est en train de s'écrire. L'histoire d'une décolonisation comme la France n'a jamais réussi à en mener. Une décolonisation pacifique sur fond de guerre planétaire pour l'accès aux matières premières.